Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nuria TV, je suis très content de vous retrouver ce soir et également très content de retrouver une nouvelle fois Jean-Pierre Petit sur notre antenne. Alors autant vous prévenir tout de suite les amis, histoire qu'il n'y ait pas de malentendu, cette émission n'est pas en direct, nous l'avons enregistrée, nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 avril si je ne me trompe pas, et à l'heure où vous regardez cette vidéo, nous devrions être dans la semaine suivante si mes plans sont exacts et que tout se déroule sans accroc. Voilà, les choses étant dites, sans plus tarder les amis, on accueille Jean-Pierre Petit sur l'antenne de Nuria pour faire un petit point d'actu avec lui. Il y a quelques thématiques qu'on aimerait aborder aujourd'hui ensemble. Jean-Pierre, soyez le bienvenu parmi nous. Bonjour, bonjour. Alors. La dernière fois qu'on vous a vu sur l'antenne, Jean-Pierre, c'était au mois de décembre. Chanceux que nous sommes, je crois qu'on s'est vu trois fois en fin d'année 2020. On a fait le tour de la folle histoire de Dieu, du métaphysicon. On a même eu la chance de vous avoir pour le dernier conseil de classe de l'année. Et cette fois-ci, on avait envie de se retrouver, faire un petit point sur diverses thématiques. Et on commence avec une actu qui est toute récente et qui nous semble importante de partager, puisqu'on sait que sur vos travaux, notamment sur le projet Janus, que vous avez développé à travers vos divers ouvrages, et on a vu comment jusqu'où ça pouvait aller avec ce métaphysicon qu'on a découvert fin 2020. Et dans ce projet Janus, vous n'êtes pas tout seul puisqu'il y a deux scientifiques qui sont à vos côtés depuis déjà pas mal d'années, qui vous soutiennent, qui apportent du grain à moudre à la machine Janus. C'est Gilles D'Agostini et Nathalie Deberg. Et en citant... Depuis 28 ans, Gilles. Gilles D'Agostini, depuis 28 ans, ça mérite d'être salué. Et puis, il y a cette chercheuse mathématicienne belge, Nathalie Deberg. Et tout récemment, vous avez mis en place quelque chose d'assez original, je crois que c'était du pas vu en France, une campagne de financement participatif pour libérer Nathalie Deberg durant un an de ses obligations professionnelles et lui permettre durant un an de se consacrer entièrement à la recherche autour de ses travaux mathématiques. Donc déjà avant de commencer, et on reviendra sur cette campagne de financement, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur Nathalie Deberg, nous dire qui est cette femme, quel est son parcours et quels sont ces travaux qui se joignent aux vôtres pour compléter ce projet Janus? Nathalie Deberg, actuellement, elle a 54 ans. C'est donc pas une petite jeune, c'est ce qu'on appelle senior researcher. Voilà une femme qui a fait des études à l'université belge, et puis qui s'est beaucoup déployée dans la base mathématique de la mécanique quantique. Donc elle a une centaine de publications dans ce domaine-là, et elle est l'exemple de ce qui peut se passer quand une communauté de scientifiques décide de rejeter quelqu'un. Alors, je vais peut-être beaucoup faire rire les gens. Je vous dirais que Nathalie Deberg est beaucoup moins diplomate que moi. D'accord. Mais elle est exceptionnelle de ce côté-là, de franchise. Et avec ça, on peut dire qu'elle se faisait un ennemi mortel par mois, quoi. Parce qu'elle a imaginé, par exemple, que quelqu'un lui dise « Ma petite Nathalie, vous devriez mettre ça dans votre thèse », et elle lui répond « Je ne peux pas, c'est faux ». Et c'est la thèse du type. Donc évidemment, ça y est, crac. Donc elle a créé comme ça des inimitiés par simple naïveté. Hein. Donc au fil des années, et bien à ce moment-là, quand on a soutenu sa thèse, à ce moment-là, on fait des candidatures pour avoir un poste. Alors c'est une année, deux années, trois années, quatre années, cinq années, ce qu'on appelle les post-docs. Puis à un moment où c'est fini, quoi. Et l'université belge s'est même débrouillée la dernière année pour créer un poste à l'université dont le profil fasse que Nathalie Deberg ne pouvait pas y être. C'est-à-dire que c'était la physique théorique, mais pas la mécanique quantique. Donc elle s'est retrouvée tout d'un coup sur le trottoir. Et à ce moment-là, elle a pris le premier boulot qui passait, quoi. Et ce boulot, c'est enseignante dans une école préparatoire, dans une école d'agronomie, quoi. C'est vraiment... C'est un gâchis inimaginable. Alors elle travaille là-dedans pendant des années et des années, et elle abandonne la recherche, en disant c'est foutu, quoi. Et lorsqu'elle s'est remise à la recherche, il y a maintenant quelque chose comme 4 ou 5 ans, c'est en découvrant le thème de Janus, et le thème de Janus, eh bien, il y a, Janus, ça tourne entièrement autour des particules de masse négative et d'énergie négative. Alors à ce moment-là, on peut se poser la question, mais en mécanique quantique, est-ce qu'il y a des énergies négatives? Eh bien, quand on regarde les ouvrages clés de la mécanique quantique, on voit qu'il y a des choix qui sont faits dans les outils mathématiques complètement arbitraires, ce qu'on appelle les opérateurs,
Et l'opérateur T, la partir de version de temps, eh bien, tout de suite, on voit écrit, on va le prendre anti-linéaire et anti-unitaire, sinon il y aurait des états d'énergie négative. C'est extraordinaire. Donc à ce moment-là, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand je les prends unitaire? C'est ce qu'a fait Nathalie tout de suite. Bon, et si vous voulez, dans un truc comme ça, lorsqu'on calcule la probabilité d'existence d'un état, au numérateur, on a l'énergie, au dénominateur, on a le temps. Alors, lorsqu'on inverse l'énergie, il faut aussi inverser le temps. Or, avec leurs opérateurs, on n'inverse pas, donc on arrive à une probabilité négative. Donc, ces états n'existent pas. Or, ça montrait une chose, c'est qu'on a fait un choix a priori. Donc, le papier que Nathalie Deberg a publié en 2018, mais c'est une porte ouverte fantastique. C'est la physique à l'ouest du Pecos. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment les physiciens théoriciens ne se sont pas dit « non, une pipe, voilà une porte ». C'est là que ça, c'est incompréhensible. Alors, on pourrait dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on prend cet article, le type lit état d'énergie négative, équation de Dirac, etc. Puis il regarde Nathalie Deberg, école Charlemagne, agronomie. Il lit pas. On commence par regarder dans quelle boîte est le bonhomme. C'est le CV qui sert de sésame d'entrée dans ces milieux-là. Voilà, exactement. Donc, alors, le problème, c'est qu'elle a fait du boulot, mais son travail lui prend énormément de temps. Et ce n'est pas la peine d'espérer qu'il puisse y avoir une intervention institutionnelle, soit de la Belgique, soit de la France. Donc à un moment, je me suis dit, bon, la solution, c'est de trouver de l'argent. Et à ce moment-là, elle se mettra en disponibilité, et à ce moment-là, on trouvera un moyen de payer son salaire. Alors son salaire, bon, bah, à son âge, elle a 3 000 euros par mois net, ce qui n'est pas une fortune quand même, hein, ce n'est pas des gros salaires, mais les charges belges sont très élevées. Ce qui fait qu'on arrive à un résultat, on a encore recalculé ça, on a revérifié tout ça, charges comprises, ça fait 80 000 euros. C'est beaucoup, c'est comme ça. Bon. Alors à ce moment-là, moi j'ai lancé cette histoire, voilà, il nous faut 80 000 euros. Eh bien, accrochez-vous, en 3 semaines, on en est à 73 000. C'est ça. Donc l'opération a été lancée début mars. J'ai vu qu'au 26 mars, il y avait déjà, je crois, 55 000 récoltés. Et aujourd'hui, vous nous dites 73 000 euros sur un objectif de 80 000 euros. Autrement dit, c'est pratiquement dans la poche. C'est fait qu'au lieu de lancer un appel vibrant aux auditeurs de Nuria TV, ce n'est pas la peine, vous allez arriver trop tard. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? S'il y a plus que de 80 000 euros, moi je dirais stop. On n'est pas là pour engranger de l'argent sans savoir quoi en faire. Quand il y aura 80 000 euros, s'il y a 81 000 euros, on dirait aux gens, écoutez, non, on vous rembourse votre argent. Voilà, Tout à fait carré. Alors, je précise quand même, donc cette émission, comme je l'ai dit tout à l'heure, là on est le 2 avril, on va la diffuser certainement dans une semaine. Vous avez le lien sous la vidéo pour aller jeter un œil pour participer à la cagnotte, voir où elle en est. Peut-être que certains Nuréens qui vont suivre cette émission auront envie de participer. Aujourd'hui, il manque 7 000 euros. La porte reste ouverte, hein, même modestement. Est-ce qu'il y aura un affichage sur le lien là, que je vais mettre sous la vidéo qui permettra de voir où en est la cagnotte exactement et s'il reste encore quelques contributions à aller rechercher pour financer ce projet? Il y a toujours un retard, c'est-à-dire que là, on est à 55 000, en fait c'est plus. Mais il faut que les gens qui gèrent cette cagnotte, bénévolement, indiquent sur... Il y a un déroulant comme ça, avec tout le nom des gens, avec les numéros et l'argent. Et j'ai vu qu'il y avait une flèche sur une sorte de compteur qui permettait de voir où on en était de la cagnotte. On va leur demander gentiment de mettre ça à jour. S'il reste encore quelques deniers à récolter, eh ben, les Nuréens et nos auditeurs qui seront intéressés pourront éventuellement participer. Après, comme vous l'avez dit, et encore une fois, les choses sont totalement carrées. Une fois 80 000 euros à récolter, on arrête. Et s'il y en a qui versent en plus, on rembourse. Voilà, on n'est pas là pour faire de l'argent pour s'amuser. On est là pour un projet bien précis. Et c'est uniquement ça. Voilà. Alors, si vous voulez, il y a quand même une chose qui est extraordinaire. Regardez la liste des jeunes donateurs. Il n'y a pas un seul scientifique. Si, j'ai vu Jean-Pierre Petit qui avait déjà initié et lancé 1 000 premiers coups de manivelle de manière fort généreuse. Bon, d'accord. Mais à part moi, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas un seul scientifique. Vous ne trouverez pas Luminet, par exemple. Luminet m'a envoyé un mail en me disant que c'était fort généreux. Je dis, vas-y, pourquoi tu ne mets pas Luminet, astrophysicien? Que dalle. Mais c'est ce genre d'initiative, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, à ma connaissance, c'est du pas vu. C'est-à-dire qu'une entreprise associative, individuelle, met tout en branle pour libérer un an de salaire et permettre à une chercheuse de travailler en toute indépendance sur un projet. D'habitude, ce n'est pas comme ça que se finance la recherche. Mais vous voyez, c'est un scandale absolu, parce que quand vous regardez les dons,
Bon, il y a quelques bons hommes qui ont filé 500, 1000, 1500, même jusqu'à 1500 euros d'un coup, quoi. Mais autrement, il y a des dons de 5 euros, 10 euros, 20 euros. La moyenne, c'est 40. Donc, autrement dit, pour faire de la recherche, il faut s'adresser à Monsieur Tout-le-Monde. Et Monsieur Tout-le-Monde avec un budget modeste. Mais c'est scandaleux. Je peux vous garantir que, imaginons qu'on ait ce truc-là et que Nathalie puisse travailler un an avec ça, mais immédiatement, il ne sera pas question que la deuxième année, on fasse pareil. Il faudra que le CNRS et que les instances belges se mobilisent. Ça pourra peut-être donner des idées aux institutions, effectivement. Ah, ça. Mais on va les secouer, je vous garantis, parce que c'est scandaleux. Alors le deuxième volet d'un truc comme ça, c'est qu'est-ce que font les chercheurs en physique théorique, en cosmologie, en astrophysique, etc. Alors là, je vous le dis, il y a une chose extraordinaire. Je recommande la lecture de ce livre, hein. C'est Luminet, l'écume de l'espace-temps. Alors ils viennent sortir ça chez Odile Jacob, hein. Pourquoi est-ce que je recommande ce bouquin? Mais parce qu'il a passé 3 ans à faire le tour de toutes les avancées dans les différents domaines. Et quand on regarde ça, c'est comment dire, un catalogue complet des couillonnades ambiantes. C'est extraordinaire. Alors, ce que je vous propose, on va prendre quand même 5 minutes. On va y revenir sur cet ouvrage de Luminet, mais je voudrais quand même qu'on clôture sur Nathalie Deberck parce qu'on la connaît très peu. Vous nous en avez parlé souvent. Elle est très occupée, cette dame, puisqu'enseignante. Il y a la charge d'enseignement, notamment en cette période de crise sanitaire, qui est particulièrement lourde à assumer. Je me demandais comment s'est passée concrètement la rencontre entre elle et vous. Comment ça s'est fait et comment l'affinité intellectuelle s'est créée pour que vous en veniez à travailler de pair. Ah, c'est elle qui a pris contact avec moi et qui m'a envoyé ses cogitations de physique théorique. Et disons que tout de suite, elle m'a dit, écoutez, vous êtes le premier type honnête que je rencontre. C'est vrai. Ben oui, en principe, je suis honnête, moi. Regardez, ça C'est va. quelque chose qu'il me semble également. Voilà. Y a peu de gens qui ont pu prouver le contraire. Voilà, je suis honnête, et puis à la fois sur le fric, je ne cherche pas à faire de l'argent avec ceci, cela, sinon je n'aurais pas mis tous les lenturlus gratuits. Ouais, bon. Et puis, ma foi, au point de vue scientifique, si quelque chose appartient à Paul ou à Jean, je le dis, quoi. Bon. Donc, autrement dit, on est parti là-dessus, et à un moment, on a souhaité se rencontrer physiquement, donc on s'est vu une fois. Donc elle est venue une fois à Pertuis. C'est là qu'on a enregistré ce bout de vidéo avec Gilles. Je crois que vous pouvez la copier, mettez le lien. Il y a ce Je bout. mettrai le lien de la vidéo et là vous allez voir une photo de cette fameuse vidéo s'afficher pour mettre des visages sur des noms. On voit donc tous les trois, c'est quand même extraordinaire. Et on n'est que trois, c'est ça, Janus, c'est trois personnes, vous vous rendez compte? Trois personnes exclusivement. Parce que, alors pourquoi est-ce que, pour moi, c'est une rencontre extraordinaire? Parce que Nathalie, c'est une trouveuse. Vous savez ce que disait De Gaulle? Il disait, les chercheurs, on en trouve, mais les trouveurs, on en cherche. Bon, les trouveurs, il n'y en a plus. Et si vous regardez le bouquin de Luminet, il n'y a pas de trouveurs. Il y a des chercheurs. Et qu'est-ce que font les chercheurs? Eh bien, ils parlent au conditionnel. Serait, pourrait, expliquerait, représenterait, tout au conditionnel. Ça, c'est des chercheurs. Ils continuent à chercher. Et Nathalie, vous. Concernant Nathalie, elle est plus dans le domaine mathématique, si j'ai bien compris. En quoi son cursus, ses compétences sont complémentaires des vôtres? Concrètement, est-ce que vous auriez pu vous passer des compétences de Nathalie Deberck pour avancer sur ce projet Janus, ou est-ce qu'elle apporte une vraie plus-value à ce projet de recherche? Bah, dans la partie géométrie différentielle, j'étais autonome. Dans la partie mécanique quantique, ça ne pouvait pas se faire sans elle. Et quand je dis à Nathalie, je ne fais pas ça parce que je la trouve sympathique, je dis simplement, on a besoin de ces neurones. Nathalie Deberck, c'est un cerveau. C'est un concasseur à mathématiques. Quand elle prend un manuel, vous savez, moi, je ne sais pas, mais quand je regarde des traités de physique mathématique, je passe 3 mois sur une page, quoi. On dit, Oui, je comprends. vous nous l'aviez dit, vous comprenez vite, mais il faut vous expliquer longtemps. C'est défaillant. Alors que vous avez des gens qui lisent les mathématiques comme ça, ils tournent les pages, et chez eux, c'est pas de la blague. Moi, je sais, j'ai connu une fois un type comme ça, ils avalent tout, et puis ils classent, ils mettent ça. Ils ont un cerveau très bien rangé. Simplement, c'est très bien d'avoir un cerveau comme ça, mais il faut en plus être capable de penser autrement. Et ça, c'est ça la clé de la recherche actuelle. Il faut penser autrement. Et quand vous avez les Luminets, ils ne savent pas penser autrement. Ils sont en train de tourner dans des vortex, c'est incroyable.
Et vous allez voir plus tard, j'ai quelques déclarations à vous soumettre qui vont faire, qui seront assez surprenantes de la part de Monsieur Luminet, contre qui je n'ai personnellement aucun grief parce que pas les capacités de juger les compétences des uns et des autres, soyons francs. Mais ça ne nous empêchera pas d'en parler un peu. Je finis sur Nathalie Deberck, sur cette année qui est bientôt financée à 100% cette année de recherche. Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à une année de recherche? Est-ce que vous avez des espoirs placés sur cette année-là? Ou Non, alors, en recherche, c'est difficile de se faire un avis et vaille que vaille, on verra ce qui se passe en un an. c'est complètement balisé. D'accord. Alors, j'ai fait un bouquin, regardez, je le montre ici, qui s'appelle Théorie quantique des champs. Vous voyez ce truc-là? Ça, c'est un beau pavé, hein, c'est bien épais comme ça. Donc, ça, la théorie quantique des champs, c'est le fin du fin de la mécanique quantique. C'est là d'ailleurs qu'on trouve ce choix d'opérateurs anti-unitaires qui coince au niveau. Alors, moi, le travail de Nathalie Dubert, c'est très simple. Elle va prendre ce bouquin, et puis elle va prendre le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Et à ce moment-là, tout ça consiste à utiliser les mêmes outils mathématiques, mais en libérant la clé, c'est-à-dire en rendant possible. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un opérateur unitaire? Alors déjà, les états d'énergie négative sont possibles, mais il y a aussi des interactions. Ça va être extraordinaire. Donc voilà la physique à l'ouest du Pécos. Donc je ne sais pas, mais je pourrais dire, je serais très étonné que ça ne donne rien. En D'accord. fait, les états vont tomber les uns après les autres, il n'y a pas de problème. Donc le plan de route est déjà en partie tracé pour cette année qui a été financée, encore une fois, par des donateurs particuliers. Mais ça pourrait être pour une tripotée d'étudiants, nom de Dieu. Mais vous savez, dire à des gens, prenez ce truc-là et étudiez ça avec des états d'énergie négative, mais ils ne comprennent pas. Luminet n'a rien compris. Il n'a rien compris. Pour lui, disons qu'il y a ce qu'on appelle le mainstream. Mainstream, ça veut dire le courant principal. Bon, on est une science qui est complètement formatée par le mainstream. Et le mainstream, ce sont les conneries ambiantes, ce sont des couillonnades. Vous savez, quand vous regardez le bouquin de Luminet, c'est l'illustration parfaite du propos de Souriau des années 70. La physique théorique est devenue un hôpital psychiatrique et ce sont les fous qui ont pris le pouvoir. Hein? Donc, ce chercheur, Luminet, je pense qu'on est nombreux à le connaître de nom, on est moins nombreux, à mon avis, à connaître en détail ses travaux. Donc, c'est quelqu'un qui fait figure d'autorité dans le milieu de l'astrophysique en France, voire même à échelle internationale. Non, à l'échelle internationale, il n'est pas connu. Vous savez, les Français, ils sont mondialement connus en France, hein, point à la ligne. Hein. D'accord. S'agit de François Combes ou de Thibaut Damour, c'est de la foutaise. Vous savez, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que nous n'avons jamais, nous les Français, inscrit nos noms dans l'histoire de la cosmologie et de l'astronomie, de l'astrophysique. Quand vous prenez l'astronomie, l'astrophysique, la cosmologie, wow, il faut remonter à l'époque napoléonienne avec Laplace et Le Verrier. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a personne d'autre. L'astrophysique, elle est née en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, mais pas en France. Il n'y a rien en France. Il n'y a pas d'école d'astronomie, d'astrophysique et de cosmologie française. C'est pas vrai. Il y a simplement des experts autoproclamés qui parlent. L'autre jour, lors d'une discussion, d'un échange qu'on a eu par téléphone, vous me parliez de la recherche en France et d'une fracture qui s'est opérée à partir des années 70, où on s'est mis à tourner en rond et à ne plus vraiment avancer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs là-dessus? Bah, vous savez, Très Daniel m'a demandé un autre bouquin, et avec Bourret, on échange, et on est en train de faire ce nouveau livre. Bon, moi, comme j'étais retardé avec l'infection que j'ai eue, on ne peut pas fixer de date, mais enfin, on voulait le sortir au mois de septembre, ce sera peut-être pour Noël prochain, parce qu'un livre, ça prend du temps. Bon. Mais dans cette histoire-là, ce que je vous disais à propos de la France, eh bien, je découvre avec le livre de Luminet que c'est mondial. Que c'est mondial, c'est-à-dire que depuis les années 70, les gens se sont enferrés dans des impasses. Et là, la question à laquelle je vais tenter de répondre dans ce livre, pourquoi? Comment ça se fait? Alors, il y a un livre très intéressant qui a été publié, je crois, dans les années 60, qui s'appelle Les somnambules d'Arthur Koestler. Je vous conseille de le lire, c'est assez intéressant. Et Koestler, qui est un journaliste, fait une espèce de tour d'horizon sur l'histoire des sciences, plus intelligemment qu'un type comme Etienne Klein. Et il dit la chose suivante, c'est que les scientifiques sont un peu comme des somnambules. Vous savez, un somnambule, c'est un type qui marche sur le toit, comme ça il avance, dans une espèce d'état second. Alors, lui, il dit, c'est un peu comme des gens qui se promènent comme ça dans un labyrinthe.
Alors, tout d'un coup, il y a un des somnambules qui passe une porte. Elle arrive, fait un petit chemin, comme ça, et les autres continuent à se heurter au mur. Et puis, il y a un moment où ça tourne à droite. Non, non, ils ne voient pas que ça tourne à droite, et ils continuent. Donc, autrement dit, il y a un chemin qui est fait, puis après, on se dit, mais pourquoi il n'est pas allé plus loin? C'est extraordinaire. Donc, vous voyez, cette espèce de somnambulisme scientifique qui est extraordinaire. Alors, dans cette affaire-là, ça nous amène au début du siècle, hein, effectivement, avec cette espèce d'explosion des maths, de la géométrie, de la mécanique quantique, de la physique des particules, etc. Et effectivement, quand on fait le décompte très schématique de 1900 à 1970, c'est l'âge d'or. Pourquoi c'est l'âge d'or? Parce que la théorie, l'observation et l'expérience marchent la main dans la main. Bon, alors, pour la cosmologie, ma foi, ce sont les trucs à l'Einstein, mais c'est pas si compliqué que ça. Moi, j'arrive à expliquer ça dans les vidéos que j'annonce. Par contre, la mécanique quantique, c'est là que c'est extraordinaire. C'est que tout d'un coup, les quanticiens disent, eh bien, je peux vous expliquer ce qui se passe, ce que vous observez, ce que vous mesurez, mais ça viole le sens commun. Vous voyez, le sens commun disparaît. Par exemple, quand on a imaginé l'atome de bor, on disait, bah, on a un proton avec un électron qui tourne autour. Bon, ça avait l'air de... Ça y est, le sens commun est satisfait là-dedans. On voit. Et tout d'un coup, le quanticien dit non, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que si l'électron tourne, ne serait-ce qu'avec les équations de Maxwell, il perd de l'énergie par rayonnement. Donc il doit se casser la gueule sur le proton. Donc ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, simplement, c'est complètement différent. Cette idée de particules, c'est une idée que vous vous faites. En fait, c'est pas ça. Et alors, à ce moment-là, on s'emmène dans des espaces de Hilbert avec des trucs inimaginables. Donc, autrement dit, vous avez un formalisme qui est vraiment un formalisme de schizophrène. On se dit, mais à quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Et tout d'un coup, au bout de tout ça, eh ben voilà, ça explique les choses. Regardez par exemple l'effet tunnel. L'effet tunnel, vous avez un neutron qui s'approche d'un noyau. Normalement, il ne peut pas rentrer, mais il a une probabilité d'être dedans qui n'est pas nulle. Donc à ce moment-là, ça joue. Et ça, pour la physique, ça n'a aucun sens. Regardez le paradoxe EPR avec les deux trucs qui s'éloignent et qui restent quand même liés. Donc ça revient à cette phrase qu'avait dite le grand physicien qui s'appelle Richard Feynman. Si vous rencontrez un jour un type qui dit j'ai tout compris en mécanique quantique, c'est le plus grand des menteurs, ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est vrai. Alors autrement dit, pendant 70 ans, on a des formalismes assez tarabiscotés, mais ça fonctionne. Alors ça fonctionne, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les physiciens théoriciens font des modèles, et ces modèles, bon, ben, ça colle avec l'observation. Voilà. Et tout d'un coup, apparaît un monsieur qui s'appelle Gell-Mann, un Américain, et lui, il fait un modèle en disant, eh bien voilà, pour moi, les protons et les neutrons, c'est fait avec des quarks. Et à ce moment-là, il fabrique un modèle explicatif. Et ça marche. On arrive à ce moment-là, c'est un peu, vous voyez, comme quelqu'un qui dit, ben voilà, j'ai les atomes de la table de Mendeleïev, et avec ça, j'explique les molécules. C'est vraiment pertinent. Là, il fait une sorte de table de Mendeleïev pour les particules. Et ça donne les 25 particules du modèle standard. Ça fonctionne. Alors à ce moment-là, les gens disent, c'est très bien ces quarks, mais est-ce qu'on ne pourrait pas les voir à l'état libre? Et alors, ils ont une propriété, ces quarks. C'est qu'ils ont des charges électriques fractionnaires. C'est plus ou moins un tiers, plus ou moins deux tiers. Alors vous savez que dans les chambres à bulles, on voit les charges électriques parce qu'il y a les trajectoires qui s'incurvent. Donc à ce moment-là, les gens se sont dit, on va mettre le paquet. On va mettre de l'énergie, boum, boum, dans l'accélérateur de particules, on va casser les protons et les neutrons, et à ce moment-là, waf, on va voir les quarks. Rien. Ça, c'était dans les années 70, l'échec total. Alors, à ce moment-là, on pourrait dire, mais qu'est-ce que disent les scientifiques? Comment ils expliquent ça? Comment ils expliquent qu'on n'arrive pas à avoir de quarks à l'état libre? Eh bien, il n'y a pas d'explication. Il y a simplement des images assez marrantes. Imaginez, par exemple, que vous vouliez... isoler l'entrée d'un tunnel. Donc, prenez un tunnel, mais si vous avez l'entrée, vous avez la sortie. C'est pareil, vous prenez une ficelle et vous voulez voir le bout de la ficelle. Alors vous coupez, si vous coupez le bout, vous avez la fin de la ficelle. Ça n'existe pas, un bout. C'est comme un monopôle magnétique, un pôle nord et un pôle sud. Vous ne pouvez pas les isoler. Voilà. Donc, mais ça, ce sont des images. Il n'y a pas d'explication ontologique. Donc. Alors déjà, il y a un problème. Oh là là, on se dit, ça marche, mais c'est bizarre. Puis après, toujours en utilisant ce formalisme mathématique, on a créé un nouveau corpus qui s'appelle la supersymétrie. Et la supersymétrie, ça prédigeait l'existence de particules qui étaient les sœurs jumelles des particules. Par exemple, le photon, il devait y avoir un photino. Le neutron, il devait y avoir un neutralino. L'électron, il devait y avoir un sélectron.
Et toutes les particules avaient leurs petits frères comme ça. Par exemple, il y avait les quarks, il y avait les squarks avec un S devant. Bon. Donc c'est une espèce de duplication de la physique. Et tout ça correspond encore à des classes d'énergie de plus en plus importantes. Alors effectivement, je crois que les gens ne se rendent pas très bien compte qu'aujourd'hui, avec l'LHC et les énergies, on arrive à 14 téraélectronvolts. Et un téraélectronvolt, c'est 1 million de millions. C'est gigantesque, un truc comme ça. Donc avec ça, on devrait casser n'importe quoi. Or, ça ne marche pas. Et ces particules de la supersymétrie, on aurait dû les observer. Et on n'a rien observé du tout. Donc là, il y a un problème complet. Alors effectivement, ça nous amène dans ce carrefour des années 60-70, où les gens réalisent quand même qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui apparaît? Ben, il y a des gens qui disent, voilà, il y a bien des gens qui proposent les cordes. Ah, les cordes, c'est quoi? Oh, ben, c'est une idée complètement originale. Les particules, à ce moment-là, sont des cordes qui vibrent, qui sont ouvertes, qui sont fermées. Ma foi, pourquoi pas? Mais alors, c'est extrêmement abstrait. C'est plus 4 dimensions, mais c'est 10, c'est 26. On augmente les dimensions supplémentaires. On a des trucs complètement tarabiscotés. Et à ce moment-là, qu'est-ce que font les physiciens mathématiciens? On est tenté de se dire, d'accord, essayez. Si vous arrivez à faire quelque chose, ça marche. C'est vrai que vous prenez la théorie quantique des champs, et vous l'emmenez en 1910, et vous avez un type qui explique ça aux scientifiques, il dit, ah, c'est pas possible, c'est tellement abstrait, tellement bizarre et tout ça. Les gens disent, écoutez, moi je veux bien vous suivre, mais là vraiment, bon, ben, ils sont que ça a marché. Alors, quelquefois ça marche, puis quelquefois ça marche pas. Et alors, les cordes, eh bien, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a dit aux gens, attendez, qu'est-ce que vous arrivez à expliquer? Ah, rien. Qu'est-ce que vous avez à prévoir? Rien. Et quels sont les objets? Rien. Et la théorie des cordes, c'est un échec complet. Est-ce que Alors, c'est, est-ce qu'on n'a pas affaire à des modèles, comme vous reprendre vos termes, trop tarabiscotés, qui vont peut-être répondre à certaines observations, mais pas à tout, comme vous dites? Est-ce que finalement, le secret pour comprendre tout ça ne serait pas d'aller vers des idées novatrices, mais plus simples? c'était a priori l'idée qui pourrait pas être simple. Mais vous comprenez, il y a une chose, c'est quand vous dites, ça explique certaines choses. La théorie des cordes, c'est extraordinaire, ça n'explique rien. Par exemple, dans cette théorie, les gens ont calculé le nombre de modèles qui pouvaient émerger. C'est le chiffre 10 puissance 500, c'est-à-dire 1 avec 500 zéros. Difficilement compréhensible pour un quidam. Pas que c'est compréhensible, il n'y a pas autant d'atomes dans l'univers. C'est absurde. Donc, on pourrait dire aux gens, c'est raté. Alors, autre chose, maintenant, vous avez des gens qui imaginent que l'univers puisse être quantifié, qu'il y a des cases d'espace, des cases de temps. On pourrait dire, pourquoi pas? C'est pas idiot. Et c'est peut-être d'ailleurs proche de la vérité. Moi, je pense qu'ils ont raison. Simplement, l'approche qu'ils utilisent ne fonctionne pas et ça donne rien du tout. Et moi, je me rappelle d'une vidéo que j'ai mise dans une vidéo Janus, vous pourrez peut-être la rechercher et l'extraire, où on voit une rencontre entre Raphaël Bousseau, qui est un type des cordes, et Carlo Rovelli, qui est un type de gravitation quantique. Et à ce moment-là, Rovelli dit à Bousseau, vous savez, vous avez un peu des complexes parce que votre théorie n'explique rien, rassurez-vous, la nôtre non plus. C'est génial. Bon. Alors, donc, autrement dit, on est dans un échec complet. Alors, si vous voulez le savoir, bouquin illuminé. Là, vous avez des pages entières qui montrent cette espèce de schizophrénie ambulante. Alors, après, ben, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, il y a Janus. Et si vous voulez, la conclusion de la lecture de ce bouquin, c'est que le seul ensemble d'idées qui ouvre une perspective, c'est le modèle Janus, à la fois en astronomie, en cosmologie et en mécanique quantique. C'est quand même effarant. Alors, après, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'en dit Luminet? Ah ben, Luminet en parle. Oui, Mais. est-ce que dans son livre, il aborde vos travaux? Oui, alors il aborde les travaux, mais il y a 3 lignes. Hein. Alors déjà, lorsque en 2020, on était en plein confinement, le livre de Luminet avait été retardé, et à ce moment-là, il a fait 10, 20, 30 vidéos, il n'arrêtait pas de parler sur ce modèle-là. Et à un moment, il se met à parler du modèle Janus, et là, il dit des conneries. Il dit, par exemple, l'antimatière de Chardin et de Jean-Pierre Petit. Mais ça n'a rien à voir. Le modèle de Charbon, ça ne tient pas debout, c'est tout. Oui, Alors, Jean-Pierre Petit, c'est pas de l'antimatière, non, c'est non, des masses négatives.
Voilà, mais c'est de l'antimatière à masse négative, c'est plus compliqué que ça. Donc à ce moment-là, je prends contact pour avec Luminet, j'ai tout essayé, je l'ai même reçu un week-end chez moi. Mais Luminet me disait, moi je suis pas très téléphone. Alors comment vous faites pour échanger avec un type? Il n'est pas très téléphone et il n'est pas très mail non plus. En fait, il discute. Et lors de votre rencontre, donc en vrai, en physique, quand vous l'avez accueilli chez vous, quel a été le fruit de cet échange? Est-ce que vous avez senti quelqu'un d'ouvert ou ça s'est fini par deux blocs qui ne se comprennent pas, qui parlent pas le même langage? Mais il n'entend rien, il n'entend rien. Il y a quand même eu des choses très choquantes. Pendant un moment, Jean Stone, qui a fondé l'université interdisciplinaire de Paris, m'écrit, puis après me téléphone, en m'expliquant que je suis fou, carrément. Alors là, il y a vraiment un échange inimaginable où il m'explique que c'est un service à me rendre que d'expliquer que je suis un malade mental. Ça permet d'accepter mes idées. Bon. Alors après, il décide d'écrire à Luminaire, en qui il a toute confiance, pour lui demander si je suis un malade mental. Et il m'envoie la copie du mail. Alors il écrit à Luminaire. Vous savez ce que Luminaire lui répond? Il lui répond, oh, il n'est pas plus névrosé que la moyenne. C'est sympa, quoi. Oui. Voilà. Pour Luminet, c'est une réponse amicale. Alors, comme on dit, protégez-moi de mes ennemis, mais il y a des amis, je m'en passe, quoi. Voilà. Et Luminet dit, mais je t'ai cité, mais quand il cite Janus, il dit, il n'y a pas d'expérience. Mais il n'y a pas d'expérience pour Janus. On ne peut pas faire d'expérience sur la masse négative, c'est les observations. Et alors, il dit simplement que certains ont trouvé des incohérences mathématiques. C'est pas vrai, on a résolu tous ces problèmes-là. Mais si je pouvais en parler avec lui, je lui expliquerais. Mais on ne peut pas parler avec Luminet. Alors moi, c'est ce qui m'étonne beaucoup. J'étais faire un tour pour qu'on prépare pour préparer notre émission. J'étais faire un petit tour sur le blog de Monsieur Luminet Allons-y, pour dis-le. découvrir un peu qui est ce chercheur de la manière la plus neutre possible. Encore une fois, je reprécise, hein, j'ai pas les compétences pour juger qui de Jean-Pierre Petit et Jean-Pierre Luminet a raison. Soyons bien clairs. Il y a quelques phrases de lui que j'ai extraites de son blog, notamment le dernier article qu'il a posté. Il parlait de ce fameux objet interstellaire. Le nom est imprononçable, on dirait un nom humide, c'est Oumuamua, un nom hawaïen. C'est ce fameux objet stellaire en forme un peu de cigare. Et il y a le chercheur de Harvard, Avi Loeb, donc qui est le président du département d'astrophysique, qui avait sorti un article à l'époque pour dire que, selon lui, l'hypothèse la plus probable, je ne voudrais pas déformer ses propos, est qu'on est affaire à un objet interstellaire d'origine extraterrestre. Dans le sens, avec une intelligence extraterrestre derrière. Et donc Luminet, qui est plutôt en admiration devant les travaux de Monsieur Loeb, dit ceci, je vous redonne les phrases telles que écrites par lui. Accorder du crédit à l'hypothèse extraterrestre pour mieux en étudier les conséquences ne peut que stimuler l'inventivité et favoriser l'ouverture d'esprit. Après tout, j'ai fait de même dans mon dernier ouvrage traitant d'hypothèses tout aussi extravagantes concernant cette fois la gravité quantique, les dimensions supplémentaires de l'espace-temps et autres multivers. Nous aurions tout à gagner à parier qu'Oumuamua est un morceau de technologie extraterrestre avancée. Un pari optimiste peut avoir un effet transformateur sur notre civilisation. Mais sommes-nous prêts à affronter de tels paris? Tout comme Avi Loeb, je crains que non. Il n'est qu'à voir la fermeture croissante des esprits à toute forme de pensée originale au profit de courants de pensée dominants. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben, j'ai l'impression que c'est l'inverse de la réalité que me décrit Jean-Pierre Petit, parce que là, il nous dit être ouvert à des pensées, on va dire, marginaux dans le mainstream scientifique, alors que vous êtes justement ce courant de pensée marginalisé, pas marginal, mais marginalisé, et avec qui personne ne veut échanger, notamment Monsieur Luminet, puisque vous avez fait les démarches pour avoir des échanges privés ou publics et des échanges entre scientifiques, et qu'il n'y a pas eu de retour positif sur cette demande d'échange. C'est Oui, relativement surprenant. ce qu'il dit, c'est faites comme je dis, ne faites pas comme je fais. Parce que il dit, on a intérêt à s'ouvrir à des idées un peu originales, et il considère la gravitation quantique, toutes ces choses-là, mais ça, c'est le mainstream. Ce sont des trucs qui ne marchent pas, mais ce sont les idées dominantes. Actuellement, quand vous voulez publier un article, si vous êtes là-dedans, ça passe comme un doigt au cul. Mais si vous voulez faire autre chose, c'est foutu. Récemment, Maldacena, qui est un Argentin, qui est installé maintenant avec un poste
Institute of Advanced Study de Princeton, c'est-à-dire l'Institut des études avancées de Princeton, qui est l'endroit où Einstein travaillait, vous voyez, donc ça, c'est les successeurs d'Einstein. Bon, ils viennent publier un article qui s'appelle Humanly Traversable Wormhole, ce qui veut dire un trou de ver qui est traversable par des humains. Vous vous rendez compte? Et ça passe sans problème. Et là-dedans, c'est plein d'hypothèses tarabiscotées. Alors là, on a une espèce de monde à l'envers. C'est-à-dire que vous avez des trucs qui tiennent pas debout, franchement, qui passent, qui sont publiés dans Physical Review Day. Et nous, si on envoie un travail complètement structuré, vous savez quelle est la réponse? Non suitable. Ils ne soumettent même pas au référé. On en est au 3, au 4e, au 5e papier qui n'est pas soumis à référé. Alors là, j'en profite pour parler d'une chose tout à fait récente. Donc, vous avez cette structure qui s'appelle ArcSieve. Hein. ArcSieve, c'est peut-être connu des gens. ArcSieve, ça a été créé il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, les gens se sont dit, bon, ben, c'est vrai que quand on publie des articles, il faut souvent un an, deux ans, trois ans de bataille. Il faudrait trouver un système où les gens peuvent mettre leurs articles avant qu'ils soient publiés, pour qu'on puisse discuter sur des idées un peu, voilà, à la condition qu'il y ait un parrainage. C'est-à-dire que n'importe qui puisse pas peindre n'importe quoi. Bon, ok. Alors, c'était une excellente idée. Ça avait été créé par l'université Cornell. Bon, effectivement, moi, à l'époque, j'ai eu rapidement un compte dans la section générale physique, et j'ai mis quelques articles là-dedans. Puis alors, il y avait effectivement des sections GRQC, c'est General Relativity and Quantum Cosmology. Voilà. Ça, c'était vraiment le sanctuaire, la cour des grands. Puis il y avait nucléaire physique, ça, des choses comme ça. Bon. Et puis, à un moment, en 2014, quand j'étais en train de pousser des articles en publication, j'en ai envoyé un à ArcSieve. Et à ce moment-là, j'ai eu de la surprise. Premièrement, quand on a envoyé ces trucs-là, on avait une réponse qui disait l'article va être en ligne dans 3 jours, maximum. Quoi. Hein, on envoie ça samedi, crac, mardi, c'est bon. Je regarde le mardi, rien. Alors je regarde mon compte et je vois l'article est on hold. On hold, ça veut dire suspendu. Ah bon, alors on hold, la première fois que j'arrive. Donc je regarde ce que ça veut dire. Et je vois, ça signifie que un ou plusieurs modérateurs, on ne sait pas qui sont ces modérateurs, ont estimé qu'ils avaient des doutes. Soyez patients. Alors, je patiente un mois, et puis au bout d'un mois, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse. Alors, à ce moment-là, je continue mes travaux, et j'envoie un deuxième article, suspendu, un troisième article, un quatrième article, tout, 17 articles bloqués. Imaginez mon compte ArcSieve avec 17 articles suspendus. Disons que pendant 4 ans, les modérateurs, ils se posaient des problèmes par rapport à mes articles. Et puis tout d'un coup, j'ai un message dont je me souviendrai toute ma vie, disant « Nous avons effacé tous vos 17 articles, n'essayez pas de les republier, sinon vous perdriez tout accès à ArcSieve. Hein. Et avant toute chose, c'est vos travaux, il faut qu'ils les publiez d'abord dans une revue mainstream. » Ah bon. Bon, comme je vois ça, je me dis c'est pas la peine de se battre, on s'emmerde pour rien. Et en 2020, oui, en juillet 2020, je connaissais un scientifique italien qui s'appelait Christian Corda, et lui, il était parrain pour le compte GRQC. Et je lui dis, est-ce que vous pourriez pas me parrainer? Il connaît mes travaux, il me parraine, énorme surprise, voilà, je suis parrainé dans cette espèce de cour des grands. Bon, ok. Alors, en ce moment, je prends un premier article, qui a été publié dans une revue scientifique mainstream, avec une théorie solide, avec des expériences, des observations dont on rend compte, je l'envoie bloqué en juillet. Bloqué depuis juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 6 mois, quoi. 6 mois qu'il est bloqué. Alors, quelques semaines, je me dis, bon, ben, si on revenait un peu à la charge, on a encore 4 articles. Il faut les convertir dans un langage particulier qui s'appelle LaTeX pour les présenter. C'est normal, ils imposent ça. D'abord, ça permet une chose, c'est que les non-scientifiques ne connaissent pas LaTeX, donc ils ne peuvent pas envoyer n'importe quoi. Mais c'est emmerdant d'avoir un truc comme ça. Moi, c'est D'Agostini qui s'occupait de ces conversions. Donc à ce moment-là, cette conversion est opérée et on envoie les 3 et 4 articles. Alors, un article bloqué, 2 articles bloqués, 3 articles bloqués, 4e, il passe. Mystère. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, je pense que parce que peut-être que les gens qui vérifiaient, qui surveillaient Jean-Pierre Petit, peut-être qu'ils sont partis au sport d'hiver. N'est-ce pas? Ça a été remplacé par un gars qui a dit « Oh, ça a l'air intéressant. Okay, » c'est le stagiaire qui a validé l'article. Voilà. Alors, vous voyez, mais vous avez donc c'est un blocage insensé. Alors, il y a un seul truc, c'est que quand il y a eu ce blocage en juillet,
je me suis adressé à Gordon en lui disant, voilà, vous m'avez parrainé pour cette section, mes articles sont bloqués. Il m'a dit, mais mon pauvre ami, moi j'ai été viré de mon parrainage. Parce que on m'a dit, vous avez parrainé des gens qui n'étaient pas dans le mainstream. Vous entendez cette phrase? Donc lui on devine en filigrane que lui a été bloqué parce qu'il vous avait parrainé, vous. Exactement, exactement. Donc c'est un vrai blocage de principe et pas un blocage scientifique et intellectuel. C'est juste que Jean-Pierre Petit est blacklisté. Et surtout, cette phrase, vous avez parrainé trop de gens qui étaient hors mainstream. Ça veut dire qu'à ce moment-là, que Arxiv, c'est le mainstream. Or, le mainstream, c'est ça. Et ça ne marche pas. Vous comprenez? On se serait situé dans les années 60. Hein, il y aurait eu un truc comme ça. Des gens auraient dit, ce n'est pas le mainstream. C'est comme s'il y avait des gens qui voulaient faire autre chose que la mécanique quantique. Là, écoutez, ça marche vachement bien. Hein, autre chose que la théorie quantique des champs. Très bien. Hein, voilà. Mais maintenant, on n'est plus dans la mécanique quantique, dans la théorie quantique des champs, on est dans la théorie des cordes, la gravitation quantique, dans un truc qui ne marche pas. C'est ça le mainstream. Et le mainstream, c'est extraordinaire, c'est le bouquin de Luinet. Moi, je dis, achetez ce livre et vous le mettrez dans votre bibliothèque comme bêtisier. Parce que moi, ce que je suis en train de faire, je suis en train de préparer un bouquin avec Bourret, et ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous ces thèmes que Luinet fait, et à ce moment-là, on met les commentaires, on cite les phrases de Luminet. Je crois que si je me mets sur Word, je crois que vous gardez encore mon image. Hein. Donc, oui. On va voir. Alors à ce moment-là, hop, je me mets là-dessus et à ce moment-là, je vais chercher l'exemple d'un commentaire sur ces trucs-là. Alors vous allez voir, c'est complètement surréaliste. Hein. Par exemple, à un moment, par exemple, quand on prend les sujets qui sont abordés dans ce bouquin, vous voyez, alors vous avez les trous noirs, bien sûr, la gravitation quantique, la thermodynamique des trous noirs, les cordes, la supersymétrie, la gravitation à boucle, l'évaporation quantique, l'univers chiffonné, l'énergie sombre, les trous noirs primordiaux, les tunnels quantiques, le rayonnement de Hawking, l'inflation, le Big Bang quantique, les trous blancs, les trous noirs, les trous de verre, la grande unification, l'énergie répulsive, la topologie cosmique, l'énergie sombre, les neutrinos stériles, la matière non baryonique, les neutralinos, les WIMP, l'antigravitation, la matière noire chaude, la matière noire tiède, la matière noire froide, les halos de matière sombre, la gravitation modifiée, la répulsion cosmique, les oscillations acoustiques, les coïncidences, l'énergie du vide, les superpartenaires, la quintessence. Vous vous rendez compte? Il y en a 150, comme ça je ne vais pas tout vous citer. Le dilaton, l'inflation slow roll, la mousse de spin, les étoiles de Planck, effarant. Bon. Alors, autrement dit, maintenant, on va prendre ces trucs-là les uns après les autres. Je prends par exemple l'étoile de Planck. Les étoiles de Planck, page 174-177. Alors, qu'est-ce que dit Luminet, page 175? Alors, écoutez bien. Il est possible d'imaginer que la matière et l'espace-temps en effondrement à l'intérieur du trou noir nouveau-né finissent eux aussi par subir un rebond une fois atteinte la densité de Planck. Dans le cadre de la gravitation quantique à boucle, une étoile de Planck, dont l'existence a été suggérée en 2014 par Carlo Rovelli et Francesca Binotto, serait, encore inconditionnel, l'objet d'une densité extrême mais finie à laquelle aboutirait, troisième conditionnel, l'effondrement d'un trou noir stellaire. Cet état atteint, l'espace-temps cesserait, quatrième conditionnel, de s'effondrer et la matière rebondirait, cinquième conditionnel, la gravitation devenant transitoirement répulsive. Le trou noir exploserait, sixième conditionnel, alors éjectant son contenu à la façon d'un trou blanc ou d'une fontaine blanche, c'est-à-dire d'un trou noir à temps inversé. Est-ce que vous réalisez un truc pareil? Il n'y a pas une de ces phrases qui a un sens quelconque. Hein, bah, au-delà de ça, parce qu'encore une fois, je le reprécise, moi je ne pourrais pas vous dire ce qui semble être correct ou pertinent ou pas. Mais il y a beaucoup de conditionnels, et vous avez tout à l'heure dressé la liste des thématiques abordées, et vu de l'extérieur, pour un néophyte comme moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi votre concept des masses négatives ne trouve pas sa place, puisque le reste est abordé au conditionnel. Il n'y a pas de conditionnel. Je veux dire, ces chercheurs issus d'un courant mainstream pourraient aussi aborder Janus au conditionnel, les masses négatives au conditionnel, et ne pas les nier en bloc, mais dire... Les masses négatives pourraient expliquer... C'est pas qu'elles pourraient. Vous savez, en anglais, on appelle ça un claim, une prétention. Hein, c'est une revendication.
Les masses négatives expliquent l'absence d'observation de matière de l'antimatière primordiale. Explique, c'est pas expliquerait, explique le confinement des galaxies, explique la structure spirale. C'est quand même énorme un truc pareil. Il n'y a pas de conditionnel dans Janus. Dans mes articles, il n'y en a pas, aucun. Là, il n'y a que des conditionnels. Alors vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Franchement. Oui, bah, de toute façon, on reste toujours sur cette thématique de blocage, de bouclage. Une question que je me posais, je pense que je vous l'avais déjà posée, là on est plus de l'ordre de la psychologie. Est-ce que des fois vous vous dites, j'aurais dû être moins rentre-dedans avec ces gens, parce que c'est peut-être ma personnalité qui leur donne prétexte à bloquer le fruit de mes travaux? Non, non, ça, je dirais le contraire, j'aurais dû être plus rentre-dedans et plus tôt, c'est tout. Parce que ne pas être rentre-dedans, c'est de la perte de temps. Par exemple, il y a un type qui me disait, si un jour vous voulez retourner dans un colloque, je serais ravi de participer. Mais les colloques scientifiques, on y perd son temps. Grâce aux sous des internautes, je suis allé à un colloque à Francfort, le colloque Schwarzschild, et je suis allé à un colloque à Paris, Cosmo 17, en 2017. Dans mon site, il y a les comptes rendus de ces colloques. Mais quand je suis arrivé dans ces colloques, d'abord j'ai vu une chose qui m'a sidéré. Dans la salle, vous avez 200, 300 personnes. 80% des gens ont leur portable sur les genoux, ils font leur courrier. Vous entendez? Carrément. Ils font leur courrier quand ils ne regardent pas des vidéos. Hein. Moi, j'avais à côté de moi une nana qui était venue parce que c'était la poule d'un des chercheurs. Elle était en train de regarder un bouquin. Elle lisait. Elle n'a rien à foutre. Donc, ils sont là, ils font leur courrier. Ah, ils n'écoutent pas une seule seconde, personne n'écoute personne, parce qu'on sait que ce qui est raconté, d'abord, c'est habitable, parce qu'ils sont habitables entre eux, hein, entre celui qui dit de la. Alors, vous avez une chose, par exemple, marrante, que vous découvrez dans le bouquin de Luminet, c'est que les gens des cordes sont d'un côté et les gens de la gravitation quantique de l'autre. Et ils se tirent la bourre. Il y a deux écoles qui s'opposent. Alors, quand à un moment, il interroge des gens de la théorie des cordes en leur parlant de la gravitation quantique. Et les types disent, c'est des physiciens, ces gens-là? Parce que les gens des cordes, ils sont persuadés qu'ils font de la physique. Et de l'autre côté, c'est pareil. Alors, voilà. Alors, dans les colloques, c'est comme ça que ça se passe. Alors, moi, je suis allé à ces colloques. Et, par exemple, au colloque Cosmo 17, j'ai fait 6 ou 7 interventions en salle. Hein. Donc j'ai posé des questions, j'en ai rendu compte dans les vidéos et dans les commentaires qui sont dans mon site, mais c'est surréaliste. À un moment, il y a un type qui avait fait un grand blabla sur les trous noirs. À ce moment-là, je dis, bon, bah, les trous noirs, ça part surtout d'une solution trouvée par Schwarzschild en 1916. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur le second article de Schwarzschild, parce qu'il en a sorti deux. Il y en a un, ça décrit l'extérieur, et l'autre, l'intérieur d'une étoile à neutrons. Et à ce moment-là, je me demande, qu'est-ce qui a lu cet article? Personne. Qui connaît l'existence de cet article? Personne. Vous savez pourquoi? Parce que cet article, il a été traduit de l'allemand en 1980 ou 90. C'est extraordinaire. Donc, ils connaissent même pas leur classique. Alors, moi, j'ai fait 6 ou 7 interventions, à chaque fois, ça créait un malaise, un froid. Hein. Les gens étaient pétrifiés comme ça. Même, il y avait comment dire, un chairman, un président de séance, qui me regardait avec inquiétude en disant, encore, il va encore foutre la merde. Autrement dit, vous allez dans ces colloques-là, vous posez des questions, vous êtes face à des abrutis. Moi, c'est le mot, quoi, nom de Dieu. Hein. C'est incroyable. C'est de ça que je parlais tout à l'heure en termes de rentre dedans. Non, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai essayé de discuter avec un physicien quanticien à propos des états d'énergie négative, mais il m'a ri au nez. Et il est parti en disant, ah, oh, ben, j'en parlerai à mes étudiants. Il m'a tourné le dos Ouais, carrément. vous êtes pris de haut dès que vous n'êtes pas dans le mainstream. Voilà. Alors, autrement dit, quelle est la stratégie de 2021? Eh bien, il y a une chose que j'ai faite. J'ai passé une année entière, même plus que ça, à faire ces vidéos Janus. Ces vidéos Janus, elles expliquent des choses. Mais il y a une chose que j'ai inventée qui est vraiment une innovation de poids, c'est les PDF qui vont avec. Les PDF qui sont pour les niveaux maths sup, maths spé, les gens qui ont un peu de niveau mathématiques. Là, vous Donc, quand semez les graines. je sème des graines, mais ce sont des petits bouts de chapitre. Bon, bah, je vous dis, il y a un truc, c'est que. Il y a des gens qui m'écrivent en disant, écoutez, moi, je suis ingénieur, j'ai fait des études, j'ai lu ce que vous avez fait. Eux, ça les impressionne. Il n'y a pas de critique dans ces choses-là. Parce que les critiques, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de formuler ces critiques en séminaire en me regardant dans les yeux? Vous avez vu qu'il n'y a personne.
quand c'est comme ça, oh oui, au courant des ponts, comment, la façon dont vous traitez les gens. Non, je ne traite pas les gens de cons, je les traite de cons parce qu'ils ont maintenu les portes fermées pendant 6 ou 7 ans. C'est pas possible. C'est de la malhonnêteté scientifique, point barre. Et moi, je mets dans cette malhonnêteté illuminée qui a refusé de dialoguer avec moi. Oui, malgré, encore une fois, les déclarations que j'ai pu partager tout à l'heure. Bon, c'est facile aussi de sortir des déclarations d'un contexte, mais je vous assure que je ne les ai pas tellement sorties du contexte où on parle d'ouverture d'esprit et on voit que dans la réalité, C'est pas il en vrai. est tout autre. Ceci dit, j'étais surpris quand même de. Après, moi, je ne connaissais pas forcément très bien les travaux de Luminet. Je les connais d'ailleurs toujours pas très bien, soyons honnêtes. Mais j'étais surpris de l'ouverture sur le dernier dossier qui va nous intéresser aujourd'hui. On va faire un petit détour vers un dossier qui vous intéresse, je le sais, et qui nous passionne du côté Nua TV, c'est le dossier ufologie. J'étais assez surpris de voir dans les textes, en tout cas, une certaine ouverture d'esprit à l'étude du phénomène ovni, voire même l'intérêt pour la science de s'y pencher. Ce qui nous amène aux dernières actus sur ce domaine ufologique, notamment aux États-Unis. On le sait depuis quelques ans, 2017 à peu près, il y a une déclassification comme on a rarement connu. En termes de contenu vidéo, de rapports secrets, etc. La divulgation outre-Atlantique bat son plein depuis 2017. Il y avait eu les fameuses vidéos de l'US Navy. J'ai fait un petit tour là récemment sur Internet pour voir ce qui se passait, notamment sur le site du CIPO. Je salue tous nos amis du CIPO qui ont fait quelques articles. J'ai vu que depuis janvier 2021, le Congrès a ordonné aux agences de renseignement américaines, notamment, sous 6 mois, de leur fournir tout ce qu'ils savent sur les phénomènes aériens non identifiés. J'ai vu aussi John Ratcliffe, ex-directeur de la Direction of National Intelligence, qui a fait des déclarations, on était en mars, hein, donc c'était il y a 15 jours, sur Fox News. Je vous lis les déclarations, c'est surprenant venant encore une fois d'une personne de la haute autorité américaine. Des ovnis ont été enregistrés sur différents types de capteurs. Certains ont été vus par des membres de l'US Navy, donc là c'est référence au dossier qu'on connaît, Tic Tac, etc. C'est des mouvements que ne pouvant pas être répliqués par nos technologies, donc là on suggère une technologie exogène, avec un passage du mur du son sans banque sonique. Ça on en avait parlé, je crois que ça rejoint vos travaux sur la magnéto-hydrodynamique. Des observations partout dans le monde, donc là c'est les Américains qui confirment que c'est un phénomène mondial. Certains d'entre eux sont des phénomènes inexpliqués, il y en a beaucoup plus que ce qui a été rendu public, donc là ce monsieur suggère qu'on nous cache quand même toute la partie émergée de l'iceberg, et il pense qu'il serait sain de rendre ces informations publiques dès que possible, donc lui s'inscrit dans cette démarche de divulgation. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe depuis 4-5 ans du côté nord-américain? Est-ce qu'on peut se fier aux informations qui sont divulguées? Avec quel recul doivent être elles prises? Et est-ce qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec ces divulgations? Ben, si vous voulez, moi je pense aux quelques minutes de vidéo qu'on a pu voir où on a le sénateur de Nevada, Harry Reid, qui parle et Christopher Mellon, qui est aussi un type qui était très impliqué dans le secret au niveau militaire. Bon, Harry Reid, il parle, il a un cancer, ce type-là, hein, il est en fin de vie, quoi. Donc c'est typiquement le gars qui a envie de parler parce qu'il en a marre, quoi. Bon. Et Christopher Mellon, c'est un type qui n'est pas en fin de vie, lui. Mais vraiment, il se dit, mais à quoi je sers? Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, j'étais accrédité au maximum de secret, et il y a des choses auxquelles on ne peut pas remonter. Alors, quand vous regardez cette vidéo où il y a Harry qui parle, il a cette réponse, où à un moment, il dit, l'essentiel de ce dont nous disposons au point de vue donné n'est pas monté à la surface. Donc, vraiment, ça, il dit carrément, il a mis le nez là-dedans, il y a énormément de données qui ne sont pas, qui n'ont pas été déclassifiées. Puis alors, Mellon va beaucoup plus loin. Lui, il prend l'exemple, par exemple, du cliché qui avait été pris par l'astronome Cooper sur la base Edwards. Alors, à ce moment-là, il y a un ovni qui se pose et lui, il prend une photo. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Washington envoie des gens qui récupèrent la pellicule et ça disparaît. Voilà, c'est tout. Alors, à ce moment-là, on dit à Cooper, mais vous n'avez pas à essayer d'avoir des échos, mais il n'y a personne. Vous avez un type, vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas où il va, c'est tout, ça disparaît. Alors, Mellon, lui, est allé essayer de pousser un peu les choses. Alors, vous avez vu qu'à un moment, il est allé au Pentagone
Et il a cherché à avoir des données sur la carrière de, comment il s'appelle, ce gars qui prétend être dans l'ère 51, là, vous voyez. Oui, Voilà. alors moi aussi j'ai son nom au bout de la langue, le fameux qui parlait d'un élément non connu sur sur la table des éléments. À ce moment-là, il arrive avec un peu le bulletin de salaire du gars, et l'officier supérieur qu'il reçoit lui dit, écoutez, vous n'auriez jamais dû amener ce papier, vous risquez de regretter que votre mère vous ait mis au monde, et il met le papier dans une broyeuse. Vous vous rendez compte? Hein, voilà. Et un autre à qui il pose la question du cliché de Cooper, le gars lui répond, vous savez, ce cliché, il y a longtemps qu'il a été foutu en l'air quand on a fait le ménage un peu dans tous ces trucs-là. Autrement dit, il y a non seulement une dissimulation, mais il y a également une destruction d'éléments qui dérangent. Et c'est là que vous allez comprendre une chose phénoménale. Les gens ne retiennent que les éléments sur lesquels ils peuvent travailler. C'est tout. Hein. Et quand vous prenez des gens comme Luminet et les autres, ils ne s'intéressent pas à des sujets parce qu'ils n'ont pas prise dessus. Et alors peut-être que justement, ces morceaux d'ovnis, ces trucs, ces machins, si on ne peut rien en faire, ben on les jette. Et Mellon dit que s'il y a eu des débris d'ovnis qui ont été récupérés, il le dit carrément, c'est complètement dispersé à un point qu'on ne peut même plus arriver à trouver la trace de ça. Alors, effectivement, il y a deux hypothèses. Soit alors, il y a eu du rétro-engineering extraordinaire, il y a une espèce d'état profond qui sait faire marcher des trucs extraordinaires. Soit alors, ils ont tout enterré. Mais certainement, c'est le mélange des deux. Oui, là. Alors, Là. Alors, voilà. juste pour préciser, le personnage que vous mentionnez tout à l'heure, c'est Bob Lazar. Histoire que les gens qui ne connaissent pas forcément le dossier puissent faire des recherches sur Bob Lazar et son prétendu parcours sur la zone 51. Alors, vous avez effectivement des enquêtes qui ont été faites sur Lazare. Je me rappelle, j'ai regardé des vidéos, je crois que ça doit être dans Alien Theory, ou il y a une série comme ça. Alors, il y a des choses, c'est un peu la bouteille à l'encre, mais il y a un moment, une séquence, où vous voyez un type qui dit, ben, moi j'ai travaillé pendant 5 ans comme pilote de SR-71, quand même pas rien, l'avion furtif. Donc, qu'est-ce que faisaient ces gens? Ben, ils habitaient Las Vegas, puis le matin, ils prenaient l'avion bimoteur de la compagnie Jeannette, hein, il y avait une demi-heure de vol, et puis ils atterrissaient dans l'ère 51. Lui, il allait du côté de CR-71, et il se souvient très bien que Bob Lazar était dans le bus, et il était dans l'avion, et après il partait en bus au sud, vers une autre section qui s'appelait S4, et justement où Lazar dit qu'il y avait des épaves d'OVNI. Alors, il y a un truc, c'est qu'en supposant que ce soit vrai, mais les gens qui ont accès à ce truc-là, il n'y a pas que des bacs plus 21. Il y a aussi le type qui balaye le hangar. Il y a aussi le technicien qui défait les boulons, quoi, c'est Alors, tout. ben, la question à se poser, c'est pour garder un secret comme ça, comme le secret de la zone 51, du crash de Roswell, tous ces dossiers-là, qui auraient impliqué des centaines, voire des milliers de personnes, d'après vous, comment on fait pour garder une chape de plomb sur un secret, partagé par autant de monde? Ben, vous voyez, il y a 36 façons pour garder un secret. Et il y a une façon qui était intelligemment évoquée dans justement le rapport Cometa. C'est ce qu'on appelle la désinformation amplifiante. Hein. Alors, il y a un truc, par exemple, c'est que vous avez un responsable israélien qui dit que le sujet OVNI, c'est quelque chose de très sérieux. Vous avez vu ce truc-là il y a quelques Oui, mois. bah l'ancien directeur des services secrets israéliens. Et à un moment, il balance un truc en disant qu'il y a des bases sur Mars où les Américains, les extraterrestres, sablent le champagne, quoi, c'est ça. Bon, bah, à ce moment-là, peut-être qu'on lui a raconté cette histoire-là, et à ce moment-là, il le colporte. Alors, où c'est vrai, c'est extraordinaire, mais où c'est faux, et ça fout tout par terre. Comprenez? En fait, volontairement, une intelligence, là je parle pas d'intelligence extraordinaire, une intelligence glisserait de fausses informations pour décrédibiliser celles qui seraient vraies dans le corpus. L'intelligence, les services secrets. Regardez, par exemple, actuellement, je ne sais pas si j'ai une certaine crédibilité, mais imaginons tout d'un coup que je trouve une bonne raison de me décrédibiliser moi-même. À ce moment-là, des gens m'interrogent, en disant, Monsieur Petit, alors vous avez fait des travaux très intéressants. Oui, mais vous savez, tous les vendredis, je fais un tour en soucoupe volante, il se pose dans mon jardin, etc. Je raconte des conneries, quoi. Mais ça passerait au poil. Les gens diraient, formidable, c'est un fumiste, c'est tout, vous voyez? Alors, moi, là, on parlait des États-Unis, de tout ce qui se divulgue, et il y a un vrai phénomène. Alors, quel crédit lui apporter, l'avenir nous le dira. Et là, maintenant, je me place du point de vue français. Alors, j'ai appris l'autre jour par notre ami Franck Morin que il y avait quelques tentatives de déclassification, notamment de compte-rendu de gendarmes sur des phénomènes d'observation d'OVNI.
jusqu'aux années 70, donc ça veut dire que depuis les années 70, il n'y a encore pas de déclassification, mais il y a un début. Mais vu de la France, ça a l'air bien timide quand même tout ça. Qu'est-ce qu'on peut imaginer que les services secrets ou que les autorités françaises font un blocage énorme autour de la divulgation UFO, ou alors qu'on n'y connaît vraiment rien en France, qu'on a très peu de gens compétents pour analyser tout ça, et que du coup on n'a pas grand-chose à raconter sur le phénomène OVNI? Écoutez, moi je vais vous donner une phrase que j'ai produite en vidéo, mais j'ai enlevé l'adjectif parce que ça avait un côté diffamatoire. Disons qu'à un moment, avec celui qui faisait les fonctions de directeur de recherche, qui était René Pola, qui était un anti-OVNI viscéral, qui faisait partie du conseil scientifique du GEPAN. Hein, bon. Et Papon, qui était le directeur général du CNRS, hein, un jour, comme je l'avais rencontré, que je lui ai parlé des projets MHD, ben il m'a convoqué avec Pola. Et la réunion a été très courte. Pela a dit, Papon a dit à Pela, ces trucs de MHD de petit, est-ce que ça tient debout? Pela a répondu oui. C'était oui ou non? Il a répondu oui. Donc c'est fini. Ok, dit Papon, on va donner suite. Et on sort avec Pela, et dans le couloir, je dis à Pela, mais comment ça se fait? Ça se situe pour dire dans les années 80, quoi. Oui, 1980. Et je dis à Pela, mais comment se fait-il que ça se passe si mal au CNES avec ce GEPAN? Vous savez ce que me répond Pela? Crois-tu que si on avait voulu traiter sérieusement ce problème, on aurait pris des cons pareils? C'est exactement le qualificatif qu'il a employé, des cons pareils. Voilà. Autrement dit, ça les emmerde, on en a mis n'importe quoi. Et actuellement, le GEPAN est dirigé à chaque fois par des gens qui sont à 3 ans de la retraite. Ils n'ont pas le temps de s'intéresser à. Regardez tous les gens, j'ai cité ça dans la vidéo. Puis alors, vous avez un conseil scientifique dont le directeur est Pierre Bescon, qui a 83 ans. Mais c'est zéro, un truc comme ça. Mais Alors, ça, lorsque Dominique Filleul a fait cette vidéo, cette 52 minutes qui s'appelle le Bureau des OVNIs, d'abord, il avait pris contact avec moi en 2019, en disant voilà, ou 2020, je vais faire ce 52 minutes, j'aimerais que vous participiez. Mais je dis, attendez, vous voulez retracer l'histoire du GEPAN, mais l'histoire du GEPAN, c'est glauque. Ah oui, mais moi, je n'ai pas rentré dans ces polémiques, mais ce n'est pas des polémiques. Bon, alors, je lui ai dit, écoutez, envoyez-moi ce qu'on disent les gens et je réagirai. Il ne l'a pas fait. Donc, autrement dit, il n'y a pas eu de témoignage de Jean-Pierre Petit. Mais il y a les témoignages de Velasco et d'Esterle. Alors, Velasco, dans ce truc-là, vous voyez, Jean-Pierre Petit a bénéficié d'un contrat avec le CNES. Il a travaillé 1 an et demi sur la MHD. C'est faux, c'est un mensonge complet. Ensuite, vous avez Esther qui explique qu'à un moment, le CNES a changé d'avis, on a décidé de tout arrêter. C'est pas vrai. Hein. Lorsque Pela est venu le voir, il m'a dit, espèce de con, tu as lancé toute une recherche de l'imagerie, là, vous étiez incompétent. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, dans ce truc-là, si je ne réagis pas, on va se retrouver avec tous ces clowns dans les plateaux. Hein. Et parmi les clowns, je mets Velasco numéro 1, c'est incroyable. Bon. Alors, j'ai passé 10 jours à faire 80 minutes de vidéo, 8 minutes par jour. Est-ce que vous vous rendez compte? Hein, cette vidéo, je l'ai faite en 10 jours. Moi, j'en suis tombé malade tellement je bossais là-dedans. C'était con. Là, et à ce moment-là, dans ce truc-là, c'est simplement des faits. Je n'attaque pas les uns et les autres. Simplement, vous avez le rapport des couillonnades qu'a fait Zapoli, mais vous l'avez, vous avez les pages, tout ça. Et à ce moment-là, bon, ça a permis de squeezer un peu. Maintenant, on ne va plus faire de plateau en disant, Monsieur Bescon, parce que vous entendiez Bescon qui disait, oui, le GEPAN, que l'étranger nous envie, sans blague. Non, ça suffit, quoi. Voilà. Alors, Mais quand vous la France, c'est la clownerie complète. Voilà. est-ce qu'on pourrait pas court-circuiter le GEPAN dans une tentative de divulgation? Je pense aux services militaires, je pense aux plus hautes autorités françaises. Est-ce que le GEPAN, finalement, a une place importante là-dedans, dans le cadre d'une divulgation programmée? Bah, si vous voulez, ce qui est dit là-dedans, et c'est parfaitement vrai, c'est que vous prenez les pilotes civils. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas parce que leur carrière est foutue en l'air, autrement, c'est évident. Hein. Et effectivement, dans cette émission de Filleul, vous avez la copilote du gars qui avait vu un ovni au-dessus de Paris, vous vous rappelez, elle parle, elle est à la retraite cette femme-là, elle est retraitée. Ensuite, vous avez un autre type qui parle parce qu'il est aussi retraité, c'est le général Billon. Et ce type-là, il était responsable de tout le transport militaire en France. Bon, autrement dit, il n'a pas parlé, mais il y a une chose quand même, c'est qu'il n'a pas parlé, mais vous voyez une feuille avec des témoignages de militaires. Ces gens-là n'ont pas parlé.
parlé au grand public, mais ils ont témoigné au GEPAN. Le GEPAN avait leur témoignage. Alors, vous voyez, vous avez des notes techniques dans lesquelles vous avez monsieur X qui a dit ceci, monsieur Y a dit cela. Bon, bien, il pourrait très bien y avoir, tel jour, telle heure, l'équipage d'un avion bimoteur de l'armée dans lequel se trouvait un officier supérieur, sans citer de nom. Ils auraient pu dire. Ça, le GEPAN ne les publie pas, n'en parle pas. Ça n'existe pas. Et quand vous voyez le commentaire qui dit le GEPAN publie toutes ces enquêtes, oui, avec 30 ans de retard. Hein, je veux dire, des choses comme ça, c'était dans les cartons du GEPAN. Et quand vous avez le premier responsable du GEPAN, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, qui disait « j'ouvre mes dossiers », c'est pas vrai, il a ouvert ce qu'on lui permettait d'ouvrir. Mais tout ce qui était militaire, c'était fermé. Alors que c'est peut-être de ce côté-là qu'on aura le plus d'infos. Bon, on ne sait pas, parce que effectivement, le truc, c'est que qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Filleul est allé à droite et à gauche en disant qu'est-ce que je pourrais interviewer ? Et je ne sais pas qui lui a dit, allez voir du côté du général Mignot. Et Mignot était à la retraite. Il était allé voir ce type-là, il dit ok, je suis à la retraite, je parle. Ce qu'il raconte, c'est énorme. Hein, ce type raconte qu'il était à 1500 pieds, c'est-à-dire à 500 mètres sol, en train de piloter un transal bimoteur. Et à ce moment-là, il voit arriver un truc de la taille d'un 747 qui leur arrive dessus. Alors il appelle la tour en disant qu'est-ce que c'est que ça ? Ils évitent l'objet et il a un moment où il a cette phrase « J'ai vu passer à notre hauteur un truc de la taille d'un grand porte-avions en vol. » Un grand porte-avions, vous l'imaginez ? Ça, c'est une déclaration du général Mio. Voilà. Ouais. Bon, alors, à ce moment, la conclusion, c'est soit il est fou, hein, comme moi, soit alors ça pose un... Vous voyez, alors, c'est là qu'on découvre les choses suivantes, c'est que dans cette histoire de novembre 1990, à la fin, vous avez même un officier de gendarmerie qui dit, la conclusion, c'est qu'il y avait deux phénomènes. Il y a eu une retraite atmosphérique, puis il y a eu autre chose. Ben oui, l'autre chose, c'est ce qu'a vu Mio. Ce qu'a vu le général Mio, ce n'est pas une rentrée atmosphérique. Oui. Donc, le CNES a opté pour cette rentrée atmosphérique alors qu'ils avaient une tétrachée de témoignages de gens qui avaient vu autre chose. Donc, il y a eu des mensonges, il y a eu une rétention. On ne peut pas accorder la moindre confiance à ce service, point à la ligne. Alors, quant aux types qui sont là-dedans, mais par exemple, je ne sais plus comment ça, il y en a un, je ne sais plus comment il s'appelait, il a été directeur de ce truc-là. Et Filleul a essayé de lui parler, et lui, il est encore axé sur le fait que ce n'est pas des visites d'extraterrestres. Lui, pour lui, il est resté dans les lanternes thaïlandaises. Des explications non exogènes. En fait, à vous suivre, et avec les idées que j'ai déjà un petit peu sur la question, le GEPAN, c'est un peu le projet Blue Beam à la française ? Mais même pas, c'est rien. C'est vraiment des zigotos complets. Vous, voilà, c'est tout. À tous les niveaux, il n'y a rien, il cache peut-être des témoignages, mais c'est tout. Peut-être qu'il cache un morceau de ceci, un morceau de cela, mais c'est vraiment le niveau zéro, quoi. C'est effrayant. Voilà qui est dit. Voilà qui est dit, voilà. Et il n'y a rien à en attendre. Alors le truc, effectivement, c'est quand on voit ce que font les Américains, bon, bah, tout de suite, on est tenté de dire, j'aimerais bien contacter le sénateur Reid, et puis Christopher Mellon et Lou Elizondo. Moi, j'ai essayé. Il n'y a rien qui marche. Alors, regardez, par exemple, vous avez vu, j'ai fait une vidéo qui est Science et OVNI. Alors, Science et OVNI, tac, vous avez en français. Mais elle est traduite en espagnol, elle est traduite en italien, elle est traduite en anglais. Donc, en anglais, bon, bah, elle est positionnée sur le net. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait dire à Elizondo, regardez ce que font ces Français ? Alors là, je ne comprends pas. Alors, il y a une autre explication qui est assez amusante. Disons que ce hasard a fait que moi, j'ai appris l'identité d'un type qui s'appelle Sarfati. Sarfati est un physicien théoricien et il est cité dans les documents israéliens. Alors, à ce moment-là, je suis remonté à dire Sarfati et ce type-là, il m'a jeté complètement. Il m'a dit, oh oui, j'ai regardé votre modèle Janus, mais ça ne tient pas debout. Il n'a rien lu. Alors, vous avez, lui... vous savez, Sarfati, il est partisan de cette histoire de métamatériaux. Donc, autrement dit, les ovnis arrivent à antigravité parce qu'ils ont des matériaux qui sont fabriqués d'une certaine façon et quand on les soumet à un certain rayonnement électromagnétique, à ce moment-là, ils antigravitent.
Pourquoi pas? J'en sais rien. Pourquoi pas? Ça n'a rien à voir avec ce que je vois du côté de Janus, mais en fait, il y a peut-être plusieurs technologies différentes. Donc moi, je ne suis pas fermé à ce que dit Sarfati. Par contre, Sarfati est complètement fermé à Janus. Et non seulement il est fermé, mais s'il est sollicité par le Patagone ou par Mellon et des gens comme ça, il leur dira, laissez tomber Jean-Vermouthy, ça ne vaut rien. C'est tout. Donc, ouais, vous avez une espèce de problème d'ego chez les scientifiques. Ça, oh là là. Oh. L'ego, toujours, toujours, toujours l'ego. Jean-Pierre, un grand merci pour nous avoir consacré encore tout ce temps sur Nuria. Une dernière question avant que nous quittions nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir en termes de recherche, en termes personnels? Je dirais que l'histoire de Nathalie fonctionne. Parce que là, il y a une chose, c'est que le 19 avril, elle va prendre rendez-vous avec sa direction en demandant à être en disponibilité. Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, c'est un droit, mais on peut le lui refuser. Alors effectivement, moi je pense que sa direction lui dira, mais c'est pas possible. Bon, si vous êtes en disponibilité, comment ça va se faire? Ils sont avec le Covid, c'est la catastrophe. Donc c'est effectivement une excellente enseignante. Elle a déjà préparé le coup au sens où tous ses cours sont en vidéo. Donc si elle a un successeur, il a tous les éléments pour la remplacer. Mais quand bien même il y a une solution, elle pourrait dire, donnez-moi un mi-temps. Ce serait déjà pas mal. Parce que Nathalie, à mi-temps, c'est déjà 10 fois un chercheur normal, rien qu'à mi-temps. Et ce qui voudrait dire que le financement prévu pour une année de recherche pourrait être fait sur 2 ans. Exactement, exactement. Déjà en mi-temps, ce serait pas mal, on ne va pas protester. Mais s'il refuse, qu'est-ce qu'on fera? J'ose même pas y penser. On va suivre ça de très près. Et en tout cas, bravo pour cette initiative qui est presque arrivée au bout. Donc les Nuriens, je vous rappelle, s'il y en a qui veulent éventuellement participer, allez sur le lien sous la vidéo. Ça sera indiqué s'il manque encore quelques euros à rajouter sur cette cagnotte. Quoi qu'il en soit, Jean-Pierre, bravo pour C'est ce vrai que succès. j'étais extrêmement touché par ces gens-là. Il y a des gens qui ont des budgets au ras des pâquerettes et qui ont mis 10 euros par mois, quoi. C'est touchant un truc pareil. Vous imaginez que dans une histoire comme ça, il ne serait pas question de faire la moindre entourloupe d'un euro dans une histoire pareille. Ça, ils le Je savent. crois que là-dessus, on peut vous faire confiance. J'irai les yeux fermés. Allez, ok. À la Merci prochaine. beaucoup, Jean-Pierre. Prenez soin de vous. À la prochaine. Les Nuréens, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Un grand, grand merci. Merci pour votre soutien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt. Ciao.